Bonjour les amis, c'est encore un pour ou contre. Pour ou contre la jalousie en amitié? Je suis pour. Mais toi qui as dit quoi? Si toi tu disais contre là, je serais étonné. Moi je reconnais aussi très, moi aussi très jaloux. Hein. Très jaloux. Mais je pensais que ça allait tomber sur moi pour que ils disent tout. Non mais tu auras le temps de parler si tu veux. Hein. Mais ici on dénonce rien. Pourquoi faire descendre ton tibia? Pourquoi ça m'arrête? Dis pas moli, dis bêtis. Descends ça! C'est pas très. Oh, descends! Tiens! Il y a fait 100 kilos, frère. Ça. Sérieux? Oui? C'est. Aïe! Jésus! Vous avez vu, hein? Il avait me tuer! Mais c'est toi qui étais tué, moi, fait 100 kilos. Tout le monde sait. Pourquoi? La jalousie en amitié, je suis pour. Parce que moi, de base, je suis une personne qui est très jalouse. Tu vois? Et quand en amitié, la personne ne me considère pas comme je la considère, bah, je le prends mal. Et je suis très jaloux. En fait, je ne sais pas comment argumenter, mais ça, il faut le vivre pour savoir. Mais mes amis, ils savent que je suis très jaloux en amitié. Voilà, tout bon, c'est ça. En tout cas, il faut le vivre pour savoir. Il faut le vivre pour savoir. Et je suis. Mon amitié est compliquée, hein, les gars. Ah, ton amitié n'est pas facile. Tout le monde dit ça. Ton amitié n'est pas facile. Mon amitié est dure, hein, les gars. Hey, non, mon ami et moi, c'est mal dur. C'est vrai. Yeah. Mais en tout cas, c'est un bon ami. Aussi. C'est vrai aussi. Tu vois, non? Moi, c'est un bon ami. Genre, il peut te faire des cadeaux, des conseils. Toi, depuis un ami, là, toi, tu m'as fait quel cadeau? Il y a pas cuisiné pour toi aujourd'hui. Ça, c'est cadeau. Bon. Aïe! Ah oui, c'est vrai, la dernière fois que tu anniversaire! C'est vrai. Bon, moi, il fait quoi pour toi? En vrai, il y a rien fait pour toi. Mais, comment ça, moi, il était toujours là pour toi? Mon anniversaire, il y a personne qui a fait mon anniversaire. Il y a personne. Il n'y a jamais eu un anniversaire sur lui pour pleurer un peu sur moi. Il n'y a jamais eu ça. Depuis le ciné, il n'a jamais fait mon anniversaire. Mais en fait, tu sais pourquoi on a mis un anniversaire surprise? Parce que toi même, non. Parce que toi déjà, toi tu avais l'habitude genre de faire les anniversaires des gens. Donc, tu t'attendais à ce qu'on fasse l'anniversaire. Mais si on a fait, il y a plus de surprises. Non, c'est pas ça en fait. Il y a plus de surprises. Non, en fait, non, t'as quoi les appels? En fait, moi je montre à chaque fois que je n'ai pas besoin de quelque chose. Pourtant tu veux. Tu as vu même que s'il y a surprise là maintenant, ça y a gâté. Parce que surprise, normalement tu dois pas t'attendre à ça. Ah. Mais toi tu veux. Quand on ne fait pas, on a problème. En tout cas, ils n'ont pas encore fait. Cette année-là, il dit qu'il ne faut pas le poster. Pourquoi? Même ma copine même n'a pas fait. Pardon, tu n'es pas encore. Attends, ils ont merdé ici. C'est pas ma copine, mais ces gens, c'est ma. Ah, voilà, en tout cas, vraiment, il est très jaloux en amitié. Il est très jaloux. On n'est pas dans la même ville. Mais c'est-à-dire qu'on a un ami en commun. Là. On est dans la même ville ensemble. Camille, tu vois, vous connaissez Camille. On a fait vidéo la dernière fois. Lui, là, quand on fait des soirées. Il m'envoie un message, il me dit que, attends, ce que vous avez fait là, vous pouvez terminer. Que, attends, tu dis quoi? Non, mais en fait, si vous deux vous êtes ensemble, vous faites une soirée ensemble. Que voilà, pourquoi vous n'êtes pas dit? Je sais que je suis pas avec vous dans la même ville. Mais vous pouvez venir pour dire quoi? Dites-moi en fait, quand vous êtes ensemble à une soirée, vous voulez pas que. Dans un trio, il y a toujours un duo. Et moi, je répète, sur le troisième, mais je suis pas troisième. Soit je suis dans le duo, soit il n'y a pas de duo. Mais il n'y a même pas de trio. Il y a pas de trio. Il y a trio. Il y a deux duos, mais il n'y a pas de trio. Qui est le deuxième duo? C'est nous deux et puis moi et Camille. C'est pas pareil. Donc, c'est-à-dire que c'est toi qui mange ici, c'est toi qui mange là-bas. Voilà, moi je suis pas. Moi je suis pas. Si vous voulez faire duo, ça c'est un duo là-bas. Kokora, Dibi, Camille, juste Pierrette. Faut pas déjà dire tout son nom. Aïe. On est sur les réseaux, hein. Un peu de retenue là. Kokora, Dibi, Jude, Pierre. Toi, ton nom est lourd, on est basé, hein. C'est même pas nous. Prochaine question. En tout cas, il faut changer ce côté là. Jalousie en amitié. Ah, il ne veut pas changer, hein, frère. La masturbation pour ou contre. Ça, moi, je me suis jamais masturbé, donc je ne veux pas savoir. Ça, on a parlé de ça tout à l'heure. Moi, bizarrement, je me suis jamais masturbé. Et ça, c'est la vérité. Toi, tu mens. Tu vas masturber pourquoi en fait? Tu mens. Yeah! C'est impur. Mon corps, c'est le temple de Dieu. Il ne veut pas faire ça. Voilà. Moi, contre tout à compte. Ça, c'est quoi? Tu es à porno, c'est pas un Ça t'avais des pornos, toi t'en avais des pornos. Il y a même des choses. C'est vrai. En tout cas, moi je suis pour parce que, contre toute attente, voilà. C'est pas parce qu'il a dit qu'il fait ça beaucoup que je suis pour. Mais c'est parce que, en fait, je pense que, apparemment, selon des études, ça permet aux garçons, à la jeune fille de connaître son corps, de savoir ce qu'elle ou ce qu'il aime et tout. Donc, je viens que pour ça, je suis pour.
Et puis, il y a un docteur qui a dit que en vrai, de vrai, il n'y a aucun risque à part le fait d'être tellement... Tellement addictif. Donc, de ne plus ressentir le plaisir avec ses partenaires. En tout cas, les gars, ne faites pas ça. Ah, ne faites pas ou... Faites comme moi, parce que ça, c'est pas... Faut arrêter de mentir que tu fais pas. Non, mais tout le monde sait. Bref, allons. Pour ou contre les Woobies. Ça, c'est quoi? C'est le dernier, non? Moi, c'est le dernier. Pour ou contre les Woobies. C'est pas, tu dois parler. C'est pas, toi, tu m'as posé question juste là. Bon. Moi, je suis... C'est... La question, c'est quand même pour ou contre les Woobies. Pour ou contre les Woobies. Je suis contre ça, non? Je suis contre les... Non, je suis pour. Bon, ça dépend, les frères. Comme je l'ai dit, en fait, pour le même phénomène de... C'était quoi déjà? De l'avortement, en fait. On n'est pas Dieu. Vous n'êtes pas Dieu, je suis pas Dieu. Voilà. Donc, on ne peut pas juger les gens. Voilà quoi. On a pas cette habilité-là à juger les autres. Donc, sachez où vous êtes, franchement. Et puis, sachez si vous voulez aussi de votre vie. Parce qu'en fait, au lieu de faire ça, là, vous prenez aussi du temps. Madame, vous continuez trop sur les trucs là. Et puis, on vous trompe. C'est encore du voyant, c'est pourquoi tu vois. C'est pourquoi tu vois. Genre, le phénomène contre les Woobies là, je sais pas comment ils disent ça même. Genre, deux jours là, où ils sont, genre, leur truc de leur compagne anti-Woobies, c'est eux parler, sinon c'est pas grave. Ah, pour les frapper et autres. Waouh. Non, mais ça, je suis contre. Où ils sont sur les réseaux en train de chaque fois. Les humilier, les frapper et tout. Voilà, faire TikTok. Franchement, les gars, ça se fait pas du tout. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'autres angoisses existentielles. Il y en a trop. Il y a la pauvreté, le chômage, surtout des jeunes et tout. Concentrons-nous sur nous. Comme je l'ai dit auparavant, investissez sur vous et en vous. Le reste, là, ça n'a pas d'importance. Moi, vous verrez les choses. Voilà. Oui. En tout cas, ouais, bon, c'est pareil. Bon, je pense pas que j'ai autre chose à dire. Je pense que j'ai autre chose à dire. Je pense que ce que chaque personne fait dans son lit, ça ne regarde qu'elle. Et voilà, les gens doivent apprendre à respecter la vie privée des gens, à respecter la différence des autres. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on n'est pas obligé aussi d'être contre. On dit ça comme ça. Hein. Ouais. On peut avoir. Moi, je veux parler à Mabio. Mais Mabio, à quoi? Voilà. La fille, elle aime tout. La femme, elle aime tout. Mettez mon contact à elle. Ah, trouvez-nous le contact de Mabio aussi. C'est pas pour envoyer l'argent, hein. C'est pour être ami. Voilà, quand on n'a pas donné l'argent à Mabio, elle est sortie pour dire que très bien. Il n'a pas donné 0 à Mabio. Mabio a dit que vous êtes malade. Il n'a pas donné. Mabio a dit que vous êtes bête ou bien. Toi, tu n'as pas dit que tu as donné 0 à Mabio. Non, il présentait, il n'a pas donné. Tu m'as donné, il t'a payé honnêtement. Bref.